maintenant le temps à l'émission Fragnole. La sélection musicale de Carla, elle est ici en studio devant moi. Et cette semaine, Carla, tu nous emmènes dans la cordillère des Andes. Oui, on va aller dans le pays voisin de celui où tu as grandi. On va aller au Pérou pour découvrir la musique d'un artiste qui s'appelle, ou d'un groupe qui s'appelle comment, Carla? El proyecto se llama Taita Bird. OK, donc des groupes, ça n'existe plus maintenant, c'est juste des projets, hein? Bueno, es que esto es música electrónica, entonces... Okay. Es un músico llamado Edwin Carrasco. OK, Edwin Carrasco, c'est son nom. Le nom du projet musical Taita Bird, Taita avec un Y, T-A-Y-T-A. Donc, c'est un peu expérimental, si j'ai compris. Donc, c'est beaucoup d'instruments, beaucoup de musique électronique et des instruments traditionnels de la Cordillère des Andes, c'est ça? Exactement. Es música electrónica con sonidos andinos. OK. Me encanta presentar músicos que vienen de lugares que no son la capital de un país, como por ejemplo él, que es de Uripa, un pueblo del departamento de Apurímac, en Perú. Estamos hablando de un lugar muy pequeñito cerca de Cusco, si alguien conoce, como para hacerse una idea. Y eso me encanta. Carla aime beaucoup présenter des artistes qui viennent pas nécessairement de grandes villes ou des capitales. En Amérique latine, souvent, les grandes villes ou les artistes viennent souvent de la capitale ou du moins habitent dans la capitale. Mais l'artiste que Carla nous présente aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a grandi dans un tout petit village près de Cusco, dans la cordillère des Andes, dans les montagnes là-bas. C'est un village qui s'appelle Uripa, qui c'est dans la région de Apurímac, près de Cusco. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on l'écoute? Sí, yo sugiero que vean el video, porque en el video hay muchas imágenes del sector, de la montaña. Ah, ok, super. Donc, écoutez la chanson. Il va commencer à chanter bientôt. Mais Carla vous suggère tout à l'heure, après l'émission, d'aller jeter un coup d'œil au vidéoclip. Parce que les images de la montagne et du Pérou sont très jolies, selon Carla. Je vais faire la même chose après l'émission. Je vais aller voir le vidéoclip de la chanson Ancestros. Voy a subir el video, obviamente, oui, à la sélection de Carla en el canal de YouTube. Ancestros, ça veut dire ancêtre. Et le vidéoclip sera ajouté à la liste de lecture sur la chaîne YouTube de Carla. C'est la sélection musicale de Carla, musique du Pérou avec Taita Bird.